Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous restons debout. Mets-toi debout pour que nous puissions faire la lecture. Romains chapitre 1er. Tubandi Kotanga à partir du verset 1er. Nous commençons à partir du premier verset. Qui n'en a quatrième verset. Jusqu'au quatrième. Serviteur de Jésus-Christ, Paul, Mosala Jésus-Christ, appelé à être apôtre, à Bengami, Kozalantoma, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Oye la kamaki yambo nangambo nzambe na basene basakoli na kacha makomi masantu. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ, nous lisons notre dernière lecture. Luc chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 43e. Kino na 47. Jusqu'au verset 47. Ils lui présentèrent. Non, 43, oui. Il en prit. Tazaki yango. Et il mangea devant eux. Pe aliaki yango liboso na bango. Puis il leur dit. Pe na sima alobi na bango. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous.
qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Sengela ki te kokisama ba makambo nyonso ekoma pona nga na kati ya mobeko ya Mose, dans les prophètes, na kati ya basakoli, et dans les psaumes, pe na kati ya baloyembo. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Amen. Bon maître, que l'esprit de Christ, le meilleur interprète des Écritures, parce que l'écriture, l'écriture en regardant comme ça, c'est un lion. Lion a dévoré quand? Le lion dévore. Lion, Moussa n'aime que les lions, son travail, c'est de tuer. Lion a peur sa cavité. Les lions n'étonnent jamais la vie. Mais l'écriture qui est lion. Mais l'écriture qui est un lion. Et c'est un rappel, il faut à la Samson. Ça demande un moment être Samson. Parce que Samson a coûté un lion un jour sur le chemin. Parce que quand Salomon, Samson veut croiser le lion un jour sur le chemin, il avait pris le lion, il avait déchiré. Quand il a déchiré le lion, il a laissé les cadavres tout proche de la route. Il a commencé, il a continué son voyage. Je pense bien les jours suivants, quand il était retourné dans les mêmes chemins, il a vu dans les lions qui étaient morts, il a vu les miels qui étaient sortis dans ces lions. Alors que c'est les miels qui ouvrent maintenant les yeux. Ça dit écriture, l'écriture qui est un lion, et l'esprit de Christ qui est le véritable Samson, demande l'esprit de Christ qui est le véritable Samson, qui doit déchirer l'écriture et donner la vie qui est dans les écritures. Laisse que l'esprit de Christ, parce que y est tango à la kisaka, parce que lui quand il enseigne, il ouvre les yeux des gens, parce que akuta kabatwaza aveugle, parce qu'il trouve les gens aveugles, il est censé les ouvrir les yeux pour qu'ils commencent à voir. Et quand il vient aussi, il trouve ce qui est en train de voir, pour qu'ils deviennent encore avec la fête qui ne voit plus. Tu as été l'esprit de Christ, n'a pas quoi le long. Moli moi Christ ce soir. Asala motei malamu pona yo. Tu es très bon prédicateur pour toi. Tu as été l'esprit de Christ. Laisse que l'esprit de Christ aille puis colimbola. Qui sait bien interpréter les qu'est-ce que c'est de la vie de l'homme. Qu'est-ce que c'est abamu ya moto. Aille puis colimbola. Qui sait bien expliquer les paraboles de la vie à moto. Qui sait c'est abamu ya moto. Aille puis colimbola. Qui sait bien expliquer. Nous sommes mona na galoko la ba énigme. Tout ce qui se voit comme étant les énigmes. C'est-à-dire, bon moi, yamutupe, comme akalise, ça veut dire que la vie d'un homme devient aussi comme et une énigme. Et Christ, il faut que Christ, le véritable Samson, le véritable Samson, a interprété un puisse venir interpréter parce sa vie. Parce que interpréter vie na yo, s'il interprète ta vie, la paix ne sera pas et là. Il n'y aura pas la joie. Consolation. La consolation. Il n'y aura pas aussi la consolation. Secours, assistance. Il n'y aura aucun secours, aucune assistance. Est-ce qu'on a présent? Est-ce que tu es là? Kolo apambola yo. Que le Seigneur te bénisse. Tozana maman na likambo na biso toza koloba. Nous avons notre thème que nous parlons. Nous parlons sur le Christ. Toza kolobela na etali Christ. Pourquoi le Christ? Pona nini Christ? Na lingine bisa ete kobanda Genèse. Je voudrais bien te dire que depuis Genèse Apocalypse, jusqu'à Apocalypse, la loi de Moïse. Si tu veux que nous puissions bien t'expliquer, nous commençons par la loi de Moïse. Nous entrons dans les prophètes. Nous sortons dans les psaumes. Tous ces gens-là, ils étaient en train seulement d'annoncer la venue d'une seule personne qui devait venir. Et la personne en question qui devait venir,
azala prochain ya Adam. Il devait être prochain d'Adam. Or quand Aza prochain ya Adam, or quand il est le prochain d'Adam, dans le langage de Lévitique, azali plus proche parent naïe. Le langage de Lévitique, il est le plus proche parent d'Adam. Or le azali plus proche parent naïe. Comme il est le plus proche parent, azana possibilité ya Adam ou ya miteki a komi moumbu. Il a la possibilité d'Adam qui s'est vendu, qui est devenu esclave. Esclave quelque part. L'esclave est un lieu donné. Parce que ce qui est moyuda komi moumbu. Parce que si un juif devient esclave, l'esclavagisme ne va pas dire éternellement. Dieu a défini son esclavagisme seulement pour 6 ans. La septième année, on va maintenant sonner la trompette. Les juifs là qui se trouvent dans l'esclavagisme, ses yeux doivent être, ses oreilles doivent être ouvertes pour combler la trompette qu'on sonne. Annonce plutôt la fin de mes souffrances. Amen. Il faut que les juifs puissent très bien enseigner. Il a la connaissance d'exactitude. La connaissance exacte. Et puis Moïuda a la rassuré dans mon témoignage. Et les juifs doivent être rassurés dans son cœur. Souffrance, la souffrance dont ils traversent. La difficulté de traverser. La difficulté qu'il est en train de traverser. La maladie qui la ronge. Les problèmes aux anges qui qui lui manquent la peine. Toutes sortes de problèmes qui t'acquille de part et d'autre. Un véritable juif sait que sa souffrance n'est pas éternelle. Un véritable juif sait que sa souffrance c'est une souffrance passagère. C'est quelque chose qui est éphémère. Et une chose qui ne dure pas longtemps. Et ça ne restera pas éternellement. Je voudrais bien t'informer, mais aussi te rappeler que toi qui es un juif, il est écrit dans la loi de Dieu dans ton cœur que toi tu ne mourras jamais dans la souffrance. Toi tu ne resteras toujours pas dans l'esclavagisme. Mais tu dois plutôt comprendre que Dieu détermine les temps. Proverbe Ecclésiaste dit ceci: il fait chaque chose bonne en son temps. Or, le temps dont on parle ici, ce n'est pas le temps marqué par un homme, mais c'est le temps marqué par ton créateur. C'est lui qui permet qu'Israël puisse aller en esclavagisme. Il est avec eux dans l'esclavagisme. Il est aussi les plaire dans l'esclavagisme. Il sait quand est-ce qu'il les oppresseurs les fait souffrir. Il voit aussi ses oppresseurs. Dieu ne reste pas indifférent. Dieu là ne reste pas toujours en train de dormir. Excusez-moi, je parle la manière des hommes. Il ne reste pas toujours en train de dormir. Mais il y a un temps comme ça, Dieu commence à se réveiller. Quand est-ce que Pongi Anzambe Silaka? C'est quand est-ce que son sommeil prend fin? C'est quand les oppresseurs sont en train de te faire souffrir. Et que toi, tu te fais souffrir, tu pousses tes cris. Et que les cris que nous appelons la prière, se montre auprès de Dieu. Dieu s'élève toujours le dernier. Est-ce que ce soir, il s'élève le dernier? Je dis, laisse que ce soit qui se lève même le dernier qui puisse donner gloire à son Saint-Nom. Na Katina Kolobanabiso, dans notre parler, j'espère que ça là qui a les yeux, tofongolaka brèche moko. Nous avons ouvert une petite brèche. Nous avons fait allusion de parler de Nabucodonosor, à Bosanaki qui avait oublié, à quel cosoa bakeni oyo ezalaki sainte pour la musala nzambe. Il est allé prendre les coupes qui étaient saintes dans la maison. Aye nango pona usage naye. Il est venu avec ça pour son propre usage. Oyebi
sais le travail que Jésus avait fait. C'était pour que toi tu sois l'ouvrage. D'abord, tout le travail qu'il avait accompli sur la croix, quand il avait versé son sang, la Bible dit qu'il nous a délivré maintenant avec le sang précieux, afin que nous puissions nous de quelqu'un ni même du péché, mais que nous puissions devenir ses propres esclaves. Nous avons les instruments entre ses mains, que nous soyons sanctifiés. Est-ce que tu me suis très bien? Parce que je marche avec Paul. Nous sommes dans Timothée. Dit dans la grande maison de Dieu. Il y a des vases de différentes manières. Il y a or, il y a les vases d'or. Il y a argent, il y a les vases d'argent. Il y a airain, il y a aussi les vases d'airain. Il y a mabaye, il y a aussi les vases de planches. Il y a mabele, il y a aussi les vases de terre. Ces vases-là sont pour usage. C'est-à-dire, son usage, son propriétaire, c'est Dieu. Si Dieu a besoin de faire un travail, il ne va pas regarder disant par rapport au vase de terre. C'est là ne dépend que de lui, le propriétaire des vases. Mais problème est le problème de vase, c'est quoi? Que tu sois le vase d'or, que tu sois un vase d'airain, que tu sois un vase d'argent, que tu sois un vase de place, que tu sois un vase de terre, conserve-toi pire. Je m'y battais là pour toi. Amen. Amen. Zala bongo. Évangile éternel. Sans malam waseko. Et kokuto na mabe. Fait te trouver dans le mal. Mais kotiko na mabe. Mais ne te laissera jamais dans ce mal. Évangile éternel. Sans malam waseko. Et kokuto na lissoumou. Va te trouver dans le péché. Mais kokajole lissoumou te. Mais ne peut pas cajoler. Yoka le benazoloba. Écoutez la manière dont je parle. Zambe alingaka musoumou ki. Dieu aime un péché. Mais alingaka lissoumou na ete. Il n'aime jamais son péché. Amen. Amen. Nous avions dit amen. Nous ne pouvons pas te demander amen. 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 Et ça dépend de la manière dont tu as ton amen dépend de la manière dont tu as ouvert ton cœur et de la manière dont tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui est venu vide. Il a besoin maintenant de recevoir la nourriture. Amen. Amen. C'est quelque chose qu'on ne peut pas te demander. Amen. Non. Amen. C'est d'abord la disposition de ton cœur. Tu peux être là en train de t'enorgueillir. Tu dis qu'est-ce qu'on prêche là-bas. Ça te fera absolument rien. Ça va te passer toujours comme ça. Mais la conséquence, c'est ta vie. Je voudrais aussi te dire que Dieu n'exauce jamais le péché. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous connaissez bien l'histoire. L'histoire d'un aveugle né. Alobi, Dieu dit, n'exauce point le péché. Zambe ayanula kabatoma sumute. Pécheur est nan. Un pécheur c'est qui? Pécheur est mutu oyo. Un pécheur c'est celui alinga asepela qui aime et qui se réjouit, qui trouve bon, na bomo imoko boye azalaka nango. Dans une vie quelconque dont il entre de bomo iwana ezali en opposition avec l'évangile éternel. Cette vie là s'oppose à l'évangile éternel. Évangile éternel. Sango malamu ya seku. Ezalaka comparaison par rapport à bitulukute. Pas la comparaison par rapport au évangile éternel. Sango malamu ya seku. Ezali flèche babetaka direct na motema na yo. C'est une flèche qu'on lance direct. Si tu dis amen, c'est la flèche de ta délivrance. Si tu refuses ça, ça ne fera absolument rien. L'écriture est claire. L'écriture est claire. Cet évangile-ci,
Ils avaient aussi le même évangile. Le même évangile. Ça n'a jamais changé. Mais pourquoi pas na bango? Mais pourquoi auprès de lui? Cela n'avait rien fait. Parce que cela n'avait pas trouvé la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi comme Hébreux chapitre 11. Je ne voudrais pas définir la foi comme Hébreux chapitre 11. Mais la foi, mais kondima, c'est une acceptation du cœur. Vous avez kondima moko na motema. Vous avez kondima moko na motema na yo. Accepté dans ton cœur. Que yo koka na yo moko te. Que toi tu ne peux mais pas yo, toi même. Mais yo tu ne veux dépendre na liloba. Mais toute ta vie au commencement était la parole. Les bandes la parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu. Liloba, rien de ce qui a été créé. Loko moko te. N'a pas été créé sans la parole de Dieu. Ma chère, mon frère, si tu as été créé par la parole de Dieu, tu dois aimer la parole. Amen. La nature d'un enfant de Dieu. C'est la manière dont il se comporte face à l'obanzam. C'est la manière dont il se comporte face à la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous parlons ici, c'est tout un agneau. Il est interdit de choisir les parties. Il le dit que on mange l'agneau, la tête, même les sabots, et même son intérieur. C'est alors mais la force de de l'Égypte va se manifester. Voilà pourquoi beaucoup ont négligé la parole de Dieu. Regarde maintenant leur vie. Regarde. Je vous dis la vérité. Je crois. Moi, Nanzam, un enfant de Dieu peut manquer aussi. Mais, bon, moi, mais toute sa vie ne peut pas demeurer toujours dans des manques. Exemple biblique. Devant ces mots rentrés, je ne veux pas donner ma propre pensée. Exemple biblique. Dans les exemples que c'est tout dans la Bible, Dieu qui a sorti les peuples de l'Égypte les a fait arriver dans le désert. Si permettre 3 jours. Si permet que 3 jours, il n'y a pas d'eau. Troisième jour, le troisième jour à la fin, il faut appeler sa main. Il doit pouvoir de l'eau. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas toujours être la vie des difficultés. Et puis il faut vérifier sangomala moyo bete la tolo. Tu dois bien vérifier l'évangile que tu te bats la parole. Et puis sangomala moyo ba bien aimé musu to na bango na église. C'est l'évangile de notre bien aimé qui se trouve dans cette église. Et comme lokola alerte internationale devient comme l'alerte bangi sa batu que soko ndimi lokola yo kokoma bomo imabelo lokola yo. Ça fait peur que si tu crois comme lui tu auras une mauvaise vie comme lui. Or le Christ, donc en Christ, c'est l'esprit, zande molim vivifiant, l'esprit de vie, molim abom, l'esprit de puissance, molim angu, l'esprit de transformation, l'esprit de changement, molim bongo la ka. Quand il a bongo ina yo, comment il entre dans ta vie? Il va dormir. Na le matin, tu as changé, tu ne sais même pas comment tu as changé. Selon l'évangile, la repentance ne dépend pas d'un homme. Selon l'évangile, selon cet évangile, le vaincre et dépend ne dépend pas d'un homme. Problème, nos amis. Ton problème c'est quoi? Ouvre seulement ton oreille. Parole tangoyant. Quand la parole viendra, et vous ma connaissance. Va maintenant amener la connaissance en toi. Connaissance. Cette connaissance. Et comme un regret. Va amener maintenant les regrets. Parce que tristesse selon Dieu. La tristesse yenge benenzambi. Amène à la repentance. Mais la tristesse selon les hommes. La tristesse selon les hommes. Et soit pour m'abattre. Tue les gens. Tala Judas Iscariote. Regarde Judas Iscariote. Après avoir côté Yesu. Après avoir vendu Jésus. Bible il s'est repenti. La Bible dit. Mais repentance n'a rien. Parce que tout bénin qui selon Zambete. Selon Mokili. C'est il est allé se pendre. Mais moi, Nanzam, un enfant de Dieu, repentance, la repentance commence dans le cœur. La connaissance. Dans la connaissance. Tant que tu connaissances. Quand tu reçois la connaissance. Oh.
Dieu n'aime pas ses péchés. Ah Seigneur, merci. Ah Kolo Matondo. Dès que je te remercie. Si je mourrais comme ça, j'allais pas te voir. Mal à mon connaissance. Directement la connaissance. Et que là où va benga car regret. Va maintenant créer. Au bandit qu'on regrette. Qui commence à regretter. Donc au colinga au tika la na situation en atte. Qui peut pas vouloir. Mais verset nous faisons un. Il y a un autre verset dans le livre de Psaume. Colingi prospérité. Dis toi qui aimes la prospérité. Ma sœur colinga la prospérité. Ma sœur toi qui aimes la prospérité. Nani na kat namsho colinga la prospérité. Qui d'entre nous aime la prospérité? Atombo la musafiri. Qui pousse lever son doigt? Nani colinga la prospérité. Moi j'aime la prospérité. Moi j'aime la prospérité. Prospérité dans le bas. Prospérité dont je parle ici. Et ça quand comment on a que prospérité quand il faut foutre quand on bon côté. C'est pas seulement voir, c'est moi avoir beaucoup d'argent. Prospérité dans le bas. Prospérité que je parle ici. Malubi, c'est lui qui aime la prospérité. Hôtel linga kabofu. C'est lui qui veut prospérer. Hôtel linga fuluka. Abomba kalisu mukati nete. Ne peut pas garder les péchés en lui. C'est lui qui veut prospérer. Ne cache pas le péché. Et si seulement il veut garder ça. Maintenant, un fait qui l'esprit de Christ. L'évangile éternel. C'est un fait. Si nous n'invoquons pas le moto, mais il est tout seul. Si c'est moi qui le reçois, il commence maintenant à faire le travail d'un fait en toi. L'homme commence maintenant à te dévorer. Commence maintenant à brûler l'homme à l'intérieur. Commence maintenant à brûler. Maintenant nous avons les frères qui ont l'évangile éternel. C'est pas de nous et non pas de vie. C'est la nature des Philistins. Les Philistins ils ont pris l'arche de l'éternel. Ils ont fait entrer l'arche de la maison de Dagon. L'arche s'est retrouvée face à face de Dagon. Face à face de Dagon. Ils ont fermé la maison. Sacrificateur le sacrificateur est allé dormir avec la clé. Le matin venant, ils ont trouvé que l'arche qui était arche qui supporte présence à archite. Dagon n'a pas pu supporter la présence de l'arche. Dagon a se retrouvé macalé calé. Dagon s'est retrouvé la face contre terre. Qu'est-ce qu'il a fait tomber comme ça? Église. Église. Qu'est-ce qui a fait tomber Dagon? Hein? Arche. Sandoukou. D'accord quoi? Dagon est tombé. Tango va y na tongo. Quand ils sont venus le matin, Yoka Musala va sali. Écoutez les travaux. On ne va comprendre que Dagon a quoi? On ne place de comprendre que Dagon est tombé. Ils sont les fait sortir. Bango va sali nin. Ils ont fait quoi? Ma pèse sous Dagon ma casse. Ils ont encore donné la force. Ma télé misère le sous. Ils l'ont mis debout. Ne vie à ma frère à ma sœur rebelle. Dans la vie de tous les frères que nous avons ici. À on proclame l'évangile. Proclame l'évangile. Mais vie là y a telle misère que Dagon n'a pas moyen d'aller. Toujours. Mais évangile. L'évangile dont il a dit est tombé d'accord. Comme il fait expressement, à un moment donné, il vient comme ça relever. Il relève maintenant Dagon dans sa vie. Parce qu'on est à premier jour. Parce que ça, c'était le premier jour. Deuxième jour. Le deuxième jour. En venant le matin, modèle ba panza qui d'accord. La manière dont Dagon était. La ligne expliquer. Je voudrais bien t'expliquer. Quand je prends mes c'est ce qui se passe dans ta vie. Quand tu crois l'évangile. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. La parole. C'est un marteau. La parole. C'est une épée. La parole. C'est un feu. Amen. Parce que Arche Ozali typifié par la parole de Dieu. Parce que l'arche qui est typifié comme la parole. Au moins, tu vas voir l'autre jour. Ah, bah, ne pouvait plus supporter encore. Bah, supernat d'Akon. Ils ont pris Dagon. Bah, bois qui est Libanda. Ils l'ont jeté. Si Katès en Gomalamou y'a pourquoi. Laisse l'évangile de ce soir. Et mettre Dagon hors de tas de nuits dans ta vie. Mettre Dagon Libanda à Bomunayo.
tel que tu étais venu, bloqué par les péchés, tel que tu étais venu, fait des arzolaires, fait des chasseurs, mes bien-aimés, ce qui est banane, de qui je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi je te mets dans la toile d'araignée? Cet évangile, c'est un fait. Cet évangile, c'est une épée. Dans la vie de celui qui a tué. Dans la vie de celui qui a tué. Que cela puisse faire le travail. Dans la vie de celui qui a tué. Que cela puisse faire un travail. T'as la image au Naopesso. Je parle à la manière des hommes. Je prends le lingua batu. Vous savez, le Dieu que nous prions, il écoute aussi les prières. Alors, ce qui empêche maintenant Dieu d'agir, Esaïe 59, c'est Esaïe 59, Abi, la Bible dit, les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour écouter. Est-ce que le bon goyan zambé za moku c'était pour na rosung? Sa mère n'est pas trop courte pour aider. C'est quoi nini zang sarabis? Mais qu'est-ce qui nous fait manquer maintenant les secours de Dieu? Hein? Nini zang sarabis? Qu'est-ce qui nous fait manquer? Avi masou mon abisso. Plutôt nos péchés. T'as la image de nos péchés. Regarde maintenant l'image que je te donne. Okuza lozo zambé là. Qui peut être là en train de prier? Zambaye a poussé un petit peu. Il vient, il s'approche. Atalio. Il te regarde. La manière dont toi tu mais pries, il voit ton intérieur. Souci, il voit les soucis. Les soucis d'abandonner les péchés. Parce que délivrance, il y a quand vie à moto. La délivrance, quand tu es dans la vie de quelqu'un, il faut écouter ta disposition. Tu dois trouver une disposition en toi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu sais que tu es lié dans les toi-même, tu peux pas abandonner. Maintenant, tu as besoin qu'il les secours. Je suis dans Romains chapitre 7. Je fais l'allusion à l'apôtre Paul. Il dit qu'il avait le désir d'abandonner les péchés. Il avait le désir d'abandonner les péchés. Mais il s'est rendu compte, il a compris que il y a deux lois. En lui. Première loi. La loi de son entendement. On appelle ça la loi de son entendement. C'est-à-dire quand il écoute la parole de Dieu, il peut maintenant soulever les chaises. C'est la vérité. Non pas mentir. Ça c'est la manière de dire. Alors la manière ne s'arrête pas seulement. Après avoir écouté, il faut écouter. Tu dois mettre son application. Mais quand tu sais réussir, il faut maintenant pour pratiquer ça. Il a la difficulté pour mettre ça en application. Sangumalam. L'évangile. Oh ya seko. Cet évangile éternel. Etika yo frère. Ça puisse te laisser toi. Etika yo sœur. Te laisser toi ma sœur. Okubu kinambiaka. Que tu puisses t'aimerer dans la sécheresse, la pauvreté. On regarde ton visage comprendre ça. On ne comprend pas. Commence à regarder. Oza touti. Tu es touti. Oza éthiopien. Tu es éthiopien. Oza mutu ya érythréen. Tu es. Oza mutu ya djibouti. Tu es quelqu'un de djibouti. Oza mutu ya somalie. Tu es de somalie. Tu vas comprendre la nationalité. Ne comprennent pas ta nationalité. C'est comme ça que les péchés. Bongo et la gatoua. Avilir moto. Avec ta chair. Avilir moto. Oza kondoulou saye. Péché te fait sa forme, détruit même le sens d'un homme. Sangomalam. L'évangile. Et tu kobongo. Et pas te laisser. Regarde-toi bien, peut-être que tu n'as jamais réussi ça. Tu n'as jamais réussi ça. Tu n'as jamais réussi cet évangile. J'ai resté ces mois dans la bouche. Avec beaucoup de bruit comme les publicités qui se font marcher. Mais la Bible, il faut manifester vie. Tu dois manifester la vie. La vie. Il faut être manifesté en toi. Tu dois voisin tes voisins, tes collègues, la joie de croire à ton Dieu.
Cela quand tu regardes. Il parle bien. Hein? Témoigne bien Christ. Frère Alubaka bien. Ses frères ici parlent bien. Mais il y a une chose, si tu regardes sa vie. Et tu qu'est-ce que c'est? En tout cas, sa vie nous laisse dans les qu'est-ce que c'est. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile, je répète. Et puis ce que si c'est l'évangile, souffrance, hein, ta souffrance. Oh mon frère, ma sœur. Même si ta souffrance était grande, il faut au en train de monter. Nous voulons dire aujourd'hui, l'esprit n'a pas permis ça. Jésus a connaîtra qui des naissances. Christ avait connu naissance à Liboso. La première naissance. Babengi est fils de David. On l'a appelé fils de David. Mais la naissance à Mibale. De la deuxième naissance. Babengi le fils de Dieu. On l'appelle moi la première naissance. Parce qu'en tant que la naissance à fils de David. Parce que dans la première naissance. Ça c'est selon la chair. Or Christ selon la chair doit souffrir. Sengela nyokwama. Soko souffrir. Et quand il souffre, na souka na kufa. La feuille doit mourir. Or ko souffrir ngolo bani. La souffrance veut dire quoi? Christ a tolanda passé Adam. Christ est en train de suivre la souffrance. Adam va bengani na jardin de Eden. Adam qui était chassé dans le jardin de Eden. En dehors du jardin. Ma belle botela kenzubu. Maintenant la terre avait produit les épines. Olandanga. Est-ce que tu me suis très bien? Na lobi ma belle botela kenzubu. J'ai dit la terre avait produit les épines. Les épines. Produit quoi encore? Sende. Les sende. Ah, bah bien en français, il y a les ronces et les épines. Les ronces et les épines. Ah, et botelier nzoube. Les épines. Et botelier basende. Aussi les ronces. Et puis balébine akolia na motokinaï. Il mangera la sueur. Donc pour aller, pour manger. Il faut attoka. Il devait maintenant verser maintenant. C'est que au moment la malédiction. Va la malédiction. Olie zamba kwe sango likolo ya Adam. Olie que Dieu puisse faire tomber sa sueur. Zamba tiki malédiction likolo ya Adam. Et envoie la malédiction. Il a donné la malédiction à la terre. La terre là qui donnait Adam. C'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me suis très bien? Et cette souffrance là. Maladie, la maladie, Kozanga, le manque, Kokelela, le manque, toutes les choses que tu vis aujourd'hui, Adam a livré Nango. C'est Adam qu'on avait donné ça. Or, si Adam livré Nango à Nakimiate. Maintenant, Adam ne peut pas être calme. Je parle à la manière des hommes. Voilà, le lingua batu. Ce qui Adam a souffri. Si Adam est en train de souffrir. Hermoko souffrance et côté. À un moment donné, la souffrance entre, pénètre. Tant que soit l'élia pangusi ma inami se plaît le suit maintenant les larmes. Akanisi jardin d'Eden. Il pense au jardin d'Eden. Bonasas qu'on écriture. Je suis maintenant dans l'écriture. L'enfant prodigue. Mona yakilikili. Quand il est parti, il a quitté la maison paternelle. Il s'est retrouvé qu'il n'avait plus rien. Il avait envie de manger. Il avait personne qui pouvait lui donner à manger. Il a dit quoi? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs mercenaires. Il y a plusieurs mercenaires. Il y a plusieurs mercenaires. Non, moi je suis sûr. Non. Je ne peux pas demeurer ici. Je dois rentrer. Ne pose pas mon anzamba solo. Ça me le souci d'un véritable enfant de Dieu. Avant de na katia papa si. Quand c'est dans les souffrances. Abete la kaba tu banzembo. Ayembe la ngoba to. Chanter pour les gens. Achana ba triko. Alata ba komi souffrance. Aba luka ngoba wana za mon anzamba te. Ce n'est pas la vie. Akuta pe mon anzamba to musa na ignorance. Peut-être très très enfant de Dieu mais il est encore ignorant. Toute la souffrance qu'Adam avait enduré. Maintenant, quand le Christ est venu, il a fait de ses souffrances-là ses propres souffrances. Est-ce que tu me dis très bien? Il a fait de ses souffrances-là ses propres souffrances. Parce que si on t'entend,
Nous devons lire en passant pour prier. Ésaïe, je crois, 53. Ésaïe, je pense, chapitre 53. Quand Ésaïe 53. Écoutez, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nanandimaki na makambo basangela kibiso. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nanayeba kiloboko ya Yahweh. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ya telema kibosonel lokola lititi moko eza kolemba. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Lokola mosamo eza kobima na mabele oyekauka. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'était nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix. Et tombé sur lui. Et ce n'est pas ce maîtrise-t-il que nous sommes guéris. Amen. Donc Christ, Christ quand il est venu, il n'était pas venu pour se réjouir. Un Messie souffrant. Il est un Messie qui est nyokwama. Il est souffrant. Pourquoi? Lui n'avait pas péché. Mais papa, papa a commis ce qui est le soum. L'a fait péché. Il a transporté nos péchés. La souffrance que nous devons en dire comme les péchés. Il nous a mis à part. Il a porté ses souffrances. C'est pourquoi, voilà pourquoi dans ses souffrances, tellement que cela a été dépassé. Et Dieu a fait de ce corps l'esprit qui était en lui ne pouvait pas supporter le péché. Il a quitté comme l'esprit. L'esprit et Banikobima commence à sortir. Il a dit père, il a dit tata, je remets mon esprit entre tes mains. Maintenant, le corps était resté vide. Non, Tikali sans esprit. Le corps est resté sans esprit. Sans âme. Sans âme. Parce que esprit. Ce que Molimo. Et Zongé pas tata. Rentre auprès du père. Âme. Et l'âme. Et qui est dans le séjour de mort. Dans le séjour de mort. Kulanda baoba kufa ki avant mis. Suivre ce qui était mort avant nous. Si quoi nous autres. Maintenant le corps. Et Tikali et Lokoyo y a pamba. Est resté comme ça vide. Zambé. Esprit Dieu. Azo condamné ce qu'on lisse mon akad na nous autres moko. Oye kokan na oye abiso. Dieu condamné le péché dans le corps d'un homme qui était semblable à nous. Nzamba condamné qui le péché dans le corps de Jésus. Comme Dieu avait condamné le soum la carte et la cima et condamnation wana. Après cette condamnation là, force pour que toi tu aies la force de dominer le péché dans, corps, dominer le péché dans ton corps. Péché quoi, le péché viendra. Si tu vas aussi sentir le péché, ça vient comment? Jacques Azoloba. Jacques dit quand quelqu'un tente, tant que mutu va mekami, à cause de que nzambe mutu a tenté. Il ne peut pas dire que c'est Dieu qui est en train de le tenter. Mutu azala ka tenté. L'homme est tenté quand il est attiré, tant que waza ko benda, amorcé, pétant waza par sa propre convoitise. Na bilulela na ye moko. Bilulela na yo moko. Sa propre convoitise. Et ça la ka keso ki est vendu na kati na yo. Cela reste. Et comme le voilà moi c'est akumbize. Comme si une femme. Or zem mignon so suka suka ti. Oh, toute grossesse à la fin. Il faut botte. Tu dois toujours enfanter.
Un enfant de Dieu, il faut linga évangile. Doit aimer d'abord l'évangile. Il faut à comprendre que pourquoi l'évangile est indamné. Doit comprendre pourquoi l'évangile est envoyé. Le Christ, Christou, c'est un Messie souffrant. C'est un Messie souffrant. Voilà pourquoi nous répétons ce que nous avions dit le dimanche. Dans l'évangile, les choses gratuites, c'est le salut éternel. Dans le but quoi, que Dieu nous a donné par la foi au nom de Jésus. Le reste, tout ce qui reste, il faut payer le prix. Tu dois payer le prix. Il faut dire que souffrir. Tu dois accepter parce que grâce, c'est la grâce que nous avions reçue. C'est pas seulement de croire en Jésus. Il faut souffrir pour Christ Jésus. Écoutez lui-même. Celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il puisse porter sa croix. Donc il faut comme un niveau comprendre que tu dois atteindre le niveau de comprendre comme que porter la croix. Il faut te expliquer bien. Nous devons bien expliquer ça. Bande qu'on a vu à Motopoli Soumouetikayo. Bien aimé, Soumouetokende na PTT. Le péché ne partira pas. La Bible dit il y a des sortes de péché. L'esprit Moussousou na Losambo ya Pamba. D'autres esprits avec l'esprit en l'esprit Moussousou. Mais il y a d'autres esprits. La prière, il faut pas que ça coquille là. Il faut aussi ajouter les jeunes. Il faut à la veiller. Tu dois être en train de veiller. Dans ta vie. Tu marches comment? Mais nous aujourd'hui, au moins je dois me marier, que je puisse voyager. Seigneur, Seigneur. Non, ces choses-là ne sont que les ajouts. Ne dépendent pas de la personne qui demande. Nous arrêtons ici, mets-toi debout, nous allons prier. Si Dieu nous aide, nous allons continuer demain. Tu vois que tu as acclamé. Moi, je ne t'ai pas demandé de que tu as acclamé. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Tu ne rentreras pas tel que tu t'es venu. Je dis que demain matin, tel que tu vas te réveiller, tu vas devenir certaines choses ne vont même pas te dire au revoir. Puissance de cet évangile, c'est ça.